Au début des années 60, le quartier du Marais était promis à une destruction rapide et quasi complète. L'action conjuguée d'historiens, d'architectes, de journalistes, d'hommes politiques, d'associations et d'amateurs l'a arraché à son destin et en a fait le premier quartier de France. Marianne Strom photographie le Nouveau Marais depuis 15 ans. Ses images s'attachent avec bonheur à représenter les détails. Cet ouvrage est une véritable encyclopédie du Marais, devenu le musée de l'architecture classique. C'est Marianne Strom, sous la direction éditoriale de Paul-Henri Guermont-Pré, qui en a fixé le plan, choisi et ordonné les images, conçu la maquette, rédigé les textes. Et voici qu'en feuilletant ces pages, le miracle s'accomplit. Le Marais vit et les hôtels aux façades rétablies frétillent de tous leurs détails originaux. Des chasse-roues au fronton, des porches au mascaron, des escaliers aux lucarnes, des heurtoirs aux enseignes. Marianne Strom a su nous rendre un Marais à l'architecture toujours glorieuse et triomphante. Préface de Jean Desreims.